Demain, c'est le grand jour parce que demain, c'est la compétition. Et pour demain, je suis serein. Je suis serein, il n'y a pas d'inquiétude. Bonjour, monsieur Seth. Comment s'est passée cette journée d'accueil des équipes ? Alors aujourd'hui, c'était une belle journée. Une belle journée, évidemment, par la météo, qui est évidemment un élément marquant, mais aussi une belle journée sur l'accueil. Donc un accueil qui était ici, à Lorient-la-Base, mais aussi à d'autres collègues, un deuxième site d'accueil, à Erdeven. Mais voilà, ça s'est bien déroulé. On attend encore quelques équipes qui vont nous rejoindre. Mais tout au long de la journée, voilà, les équipes sont venues assez tôt pour celles qui étaient parties de bonne heure. Et donc ça a pu se dérouler tranquillement tout au long de la journée. Quel est votre état d'esprit pour demain ? Ah, demain. C'est vrai qu'aujourd'hui est déjà un moment pas simple sur cet accueil avec cette masse d'équipes qui arrivent. Et demain, c'est le grand jour parce que demain, c'est la compétition. Et pour demain, je suis serein. Je suis serein, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on a travaillé depuis longtemps sur ce championnat et bon nombre de collègues. Il y avait 80 profs de PS aujourd'hui mobilisés sur le Morbihan. Demain, 75 collègues EPS plus une cinquantaine de jeunes organisateurs dont vous faites partie, voilà, qui seront présents. Donc on sera nombreux demain matin à Plouay pour attaquer la phase compétition. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et bonne continuation les jeunes reporters de Plouay-Hermel. Merci.